Salut les mecs, comment vous allez? Moi ça va nickel. Bon, aujourd'hui comme vous pouvez le remarquer, on n'est pas sur le bitume. Aujourd'hui on est reparti pour une petite session enduro. La dernière fois, première fois en terrain de cross. Aujourd'hui, première fois en enduro. Bon évidemment les mecs, vous vous en doutez, on n'a rien planifié. Aucun trajet, rien, on connaît aucun chemin. Je sais même pas où on va là maintenant. Tout ce que je sais, c'est qu'on va faire de l'enduro. Bon du coup, on n'en a jamais fait. Jamais. Bon du coup, lui, je sais pas ce qu'il lui a pris. Je lui ai dit, on allait faire de l'enduro. Sa moto, elle est toute propre. Bon du coup, j'ai mis le plein. Parce que à tous les coups on va se perdre, donc ce serait bête d'être perdu et en plus de pas avoir d'essence. À tous les coups on va se faire tirer dessus par un chasseur. Hey, c'est de la dinguerie, je dois être à 45 km/h et j'ai plus de sensations que quand je suis à 80 sur la route. Et les premiers obstacles passés, hein. Pour en mettre ça dans mon CV. Bon, pour vous dire à quel point on est des débutants, rien que de me mettre debout, ça me fait bizarre. Propriété privée, défense d'entrée. Bon, chasse en cours. On va faire demi-tour quand même. Bon, ça il n'y avait pas marqué sur Google Maps. Hey, imagine, il y a des chasseurs. Vous voyez, je comprends pas pourquoi elle a lavé sa moto. Voyez. Ah ouais. Ah ouais, ça va être compliqué. Merci mademoiselle. Vas-y hein, bien vu, on s'attrape. Salut. Et tous les deux mètres, il y a un obstacle. On commence à faire des vrais trucs d'enduriste. Ça passe pas, wesh. Et deux, une. Heureusement qu'il y a deux secondes, j'ai dit qu'on commence à faire des vrais trucs d'enduriste. Et deux, deux. Enduro, comment ça doit être trop dur? Là on a fait de l'enduro, on n'a rien fait de dur. J'ai quand même grave chaud. Là à chaque croisement, à chaque intersection on improvise. Ça comment je kifferais en faire avec des mecs qui connaissent. Là on est perdu là. Passage au lavage obligé après là. Le petit coucher de soleil qui fait plaisir. Bon, je pense qu'on va en faire plus souvent de l'enduro, parce que vraiment c'est lourd. Eh, maintenant qu'on a roulé dans des chemins boueux avec des bosses, j'ai l'impression que ça c'est du bitume carrément. C'est bien sale tout ça.
Ça c'est le truc de crevard ça. Avant d'allumer le karcher, tu passes un coup avec la brosse un peu mouillée. Bon les mecs, c'est bon, on vient de finir de laver les motos, là elles sont toutes propres, on peut faire un bon avant après là. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous aimez bien mes vidéos enduro ou pas. Likez, partagez, et sur ce, ça attrape. Allez, à plus l'équipe.